Bonjour à tous, je vous retrouve pour les lectures de la semaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai lu beaucoup de choses cette semaine, je suis assez contente. Je ne vais pas perdre de temps, je vais commencer directement avec un manga. Qui est celui-ci, le manga de Anne, La Maison au Pignon Vert. C'est aux éditions Nobinobi et c'est une collection qui s'appelle Les Classiques en Manga, que je ne connais absolument pas. Je suis tombée dessus sur celui-ci, vraiment par hasard, en flânant un petit peu dans une librairie. J'ai eu l'occasion de lire évidemment Anne de Green Gable et Anne d'Avonlea que j'avais adoré. Donc ici nous sommes dans le premier tome qui est semblable au livre Anne de Green Gable. Je l'ai lu assez rapidement parce que j'avais vraiment envie de me retrouver dans cette ambiance. L'histoire elle est vraiment semblable, elle est tout pareil à celle des livres, donc il n'y aura pas de surprise pour vous. Mais si vous aimez bien cet univers de Anne, cet univers avec Maria et avec Matthew, vous retrouvez dans cette jolie histoire, ben, je vous conseille. Les dessins sont vraiment très jolis. On a des planches comme ceci avec les personnages principaux. Hop. Voilà, il est assez épais, hein. Il y a quand même plus de, je sais pas combien de pages, presque 300 pages sans doute. Donc il est assez épais, je l'ai lu en deux fois je pense, mais j'ai vraiment adoré me retrouver dans cette ambiance, dans cet univers, c'était vraiment très très agréable. En plus je vois ici qu'à l'arrière il y a d'autres livres qui sont disponibles dans cette même collection, comme le Comte de Monte Cristo, Dracula, le Livre de la Jungle, le Magicien d'Oz, Roméo et Juliette, enfin il y a plein de choses qui ont l'air sympathiques, donc à mon avis je vais tenir ça à l'œil et voir si je vais pas craquer pour d'autres histoires, d'autres classiques de manga, parce que c'était vraiment très très agréable. Je poursuis avec une saga dont je vous ai déjà parlé, c'est la saga Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. J'ai eu l'occasion de lire le tome 4 que j'ai beaucoup aimé, je vais pas trop vous en parler étant donné que voilà, je vous ai déjà parlé des précédents. Donc ici on continue à suivre la famille Casquet, l'histoire avance de plus en plus, il se passe tout le temps des choses, c'est bien l'avantage de cette série, c'est que en tout cas moi je ne m'ennuie à aucun moment, on avance bien dans l'histoire, il y a toujours la pointe de fantastique, mais qui n'est pas la touche principale dans la lecture. Donc on est vraiment dans les histoires de famille, on continue à suivre la famille Casquet, on s'intéresse évidemment à Elinor, à Oscar, mais également à d'autres membres de la famille. Ça évolue, il se passe vraiment des choses, c'est vraiment très très chouette. Je suis donc ici J'ai donc ici terminé le tome 4. Je vais commencer le tome 5 incessamment sous peu et après il me restera uniquement le tome 6 à lire. Mais bon, voilà, je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette saga et de l'aimer autant. Je passe toujours un très bon moment de lecture et les livres sont vraiment à chaque fois magnifiques. C'est à chaque fois une œuvre d'art presque qu'on a entre les mains. Donc voilà, si vous connaissez pas, lancez-vous. Franchement, c'est vraiment excellent. Lecture suivante, c'est un second tome, c'est celui-ci, donc le tome 2, Les Gardiens des Secrets, c'est La Course contre la Montre, c'est écrit par Trenton Lee Stewart et on est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, j'avais beaucoup apprécié ce premier tome, on est dans une lecture jeunesse, donc si vous n'aimez pas ça, ne vous lancez pas dans cette histoire, mais si vous appréciez ce style, allez-y sans hésiter. Franchement, c'est vraiment bien, le tome 2 clôture, donc c'est une agréable lecture, et je vous avais expliqué que dans le premier tome, ça s'arrêtait vraiment de manière abrupte, donc il fallait absolument, enfin idéalement en tout cas, avoir le second tome à disposition, à portée de main pour pouvoir continuer l'histoire, parce qu'il n'y avait pas moyen de laisser passer trop de temps entre les deux, parce que justement on s'arrête à un moment vraiment crucial, vraiment important. Donc moi j'ai pas hésité, j'avais pu le commander sur Vinted et il est arrivé dernièrement, du coup je l'ai commencé directement. Ça se lit vraiment bien, c'est fluide, c'est aéré, on a aussi des illustrations en noir et blanc. Dans le fil de la lecture, on a aussi des illustrations qui font toute la page, toujours en noir et blanc. Donc ici, dans cette histoire, je vais pas trop vous en raconter, mais en tout cas, on suit toujours les aventures de Ruben et Penny, qui sont deux enfants. Et dans le premier tome, ce qui se passe, c'est que Ruben va découvrir par hasard une montre ancienne qui permet de devenir invisible. Et évidemment, bah, il y a
des personnes un peu plus puissantes qui souhaitent aussi obtenir cette montre, étant donné que c'est une montre quand même qui a un certain pouvoir non négligeable. Et du coup, dans ce second tome, ils vont vraiment affronter la personne qui recherche cette montre, qui est en fait le tyran qui règne sur la nouvelle Ombrie, qui est la ville de Ruben. Et voilà, ce sera une histoire d'aventure, d'amitié, parce qu'il y aura toujours le soutien de Penny, donc son amie, et également ici le soutien et l'aide du frère de Penny qui s'appelle Jack et qu'on trouve également dans le premier tome. Donc franchement, c'était vraiment chouette, c'est fluide, c'est bien construit, l'histoire elle est prenante. On va retrouver les mêmes valeurs que dans le premier tome, hein. Il y a l'amitié, le courage, l'entraide, tout ça ce sont des valeurs qu'on retrouve, qui se répètent, mais voilà, qui sont intéressantes, qui sont toujours très utiles. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire, je suis contente d'avoir pu finir cette duologie. Et si ça vous tente, n'hésitez pas. En plus, les couvertures sont toutes les deux aussi belles, aussi bien pour le premier tome que pour le second. Lecture suivante, c'est celui-ci, Cassidy Blake. C'est le... J'ai un chat dans la gorge. Cassidy Blake, c'est le livre 3, Le Pont des âmes. On est ici aux éditions Lumen et c'est écrit par Victoria Schwab. Oui, c'est bien ça, Victoria Schwab. Toujours d'aussi belles couvertures, hein. J'avais pu lire le premier tome, le second tome, ici je suis tombée par hasard sur ce troisième tome dans une librairie, donc je n'ai pas résisté, je l'ai acheté et à peine arrivée à la maison, je l'ai commencé et terminé. C'est aussi une lecture jeunesse, donc ça se lit assez vite, il y a 300 pages, mais c'est assez fluide au niveau de la mise en page, c'est aéré, franchement ça se lit tout seul. L'histoire est divisé en parties, donc les parties se coupent comme ceci avec des pages en noir et blanc. Je crois qu'il y a 5 parties dans ce tome-ci, je pense, oui, 5 parties. Et donc au niveau de l'histoire, on va suivre toujours Cassidy Blake et Jacob qui est son meilleur ami, et la particularité de Jacob c'est que c'est un fantôme. Donc dans ce troisième tome, on se retrouve en fait à la Nouvelle-Orléans, donc à chaque tome on change de ville. Dans le premier tome on était à Édimbourg, dans le second on était à Paris et maintenant on se retrouve dans la Nouvelle-Orléans parce que on suit en fait l'émission télé des parents de Cassidy qui tourne autour du surnaturel. Donc l'émission télé, elle se concentre sur des lieux qui sont riches au niveau historique, qui ont apparemment été ou qui sont hantés actuellement. Ils font une émission là-dessus et Cassidy accompagne, du coup Jacob accompagne également Cassidy. Et voilà, Cassidy, elle a la possibilité en fait de traverser le voile, donc c'est-à-dire le voile qui sépare le monde des vivants au monde des morts, des fantômes. Elle en fait, elle peut le traverser pour justement aider les fantômes qui sont bloqués à se libérer en fait de cet entre-monde. Évidemment, c'est il y a des dangers qui rôdent du fait de son talent particulier, du fait de sa condition aussi particulière. Elle se rend compte dans ce troisième tome qu'il y a un personnage terrifiant qui la poursuit, et ce personnage, elle se rend compte que c'est un émissaire de la mort en fait, et il semble absolument résolu à la rendre aux ténèbres. Du coup, il y a un petit peu une course poursuite, il y a des dangers, il y a un peu de frisson, mais c'est très très bien fait. Ça reste de la lecture jeunesse, donc je vais pas dire que j'ai eu peur évidemment, mais franchement c'est une agréable lecture. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est le troisième tome et je me replonge à chaque fois avec plaisir en fait dans cet univers, dans cette série. Je sais pas du tout combien de tomes il va y avoir, peut-être qu'à un moment donné je perdrai un petit peu l'engouement. Je sais pas du tout combien de tomes aura cette série, mais en tout cas pour l'instant j'aime vraiment bien. En plus on change de ville, donc on change de paysage, de contexte, il y a de la nouveauté, c'est pas tout le temps la même chose, c'est vraiment très très chouette. Et j'aime bien les personnages de Cassidy et de Jacob aussi, donc c'est vraiment agréable comme lecture. Si vous aimez de nouveau ce style jeunesse, vous pouvez vous diriger vers ce genre de lecture, c'est assez agréable. Et en plus voilà, comme je l'ai dit, les livres sont super beaux, mais à chaque fois ils ont un petit côté comme ça
avec des jeux de lumière. C'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment tous les trois très, 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 très beaux. Alors, je change et je passe à un petit policier. J'ai pu lire ceci, le jeu de l'assassin. C'est le premier tome. Ce sont les enquêtes de Roderick Allen. Je sais pas comment on dit, de Gaio Marsh. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Vous pouvez le lire ici. J'espère que j'ai bien dit. On est aux éditions Archipoche. C'est une série de policiers cosy mystery plutôt que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment. J'avais pu trouver ce premier tome sur Vinted, donc j'avais pas hésité et j'ai eu envie de le découvrir tout de suite. C'est pas un livre très long, hein, il fait 270 pages, donc franchement ça se lit vite. C'est écrit assez grand. Au niveau de la lecture, il y a un certain confort, c'est agréable. Et je suis très contente d'avoir pu découvrir ce premier tome et j'ai bien aimé, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Du coup, je me suis commandé le second tome. J'attends qu'il arrive pour pouvoir poursuivre. Mais donc, dans cette histoire, on va suivre six personnes qui sont conviées à une murder party, donc un jeu, hein, par un collectionneur d'armes. Il les convie donc dans sa maison de campagne et le but de ce jeu, c'est que les personnages vont devoir résoudre un meurtre. Donc dans les personnes qui participent, il y aura une victime et il y aura un assassin qui sera désigné, et les autres personnes devront découvrir en fait qui était l'assassin. Et le but, c'est de mettre en place une enquête policière et de faire ça sous forme de jeu. Le problème, c'est que évidemment ça va pas se dérouler comme prévu et qu'il va y avoir un vrai meurtre qui va être commis sur la personne de Charles Rankin, je sais pas comment on dit. Ce personnage, il est propriétaire d'une arme de grande valeur russe. Et il en a parlé justement avec le maître des lieux, qui est un collectionneur d'armes. Apparemment, cette arme a une très très grande valeur. Et en plus, on apprend que c'est un coureur de jupons notable. Donc, la façon dont il a obtenu cette arme, elle est un peu floue, elle est un petit peu louche. Donc voilà, c'est déjà deux caractéristiques qui sont pas très très bonnes de manière générale. Mais du coup, cette personne va être retrouvée morte et du coup la murder party va se transformer en une vraie enquête policière qui va être menée par le personnage ici de l'inspecteur Roderick Allen, qui va se rendre sur place et qui va commencer sa petite enquête. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je l'ai lu assez vite, enfin ça se lit vraiment fluide. Déjà c'est écrit grand, déjà il n'y a pas beaucoup de pages, 270, voilà. Et au niveau de la taille, c'est un rien plus grand qu'un poche. Donc voilà, écriture aérée, espacée, petit chapitre assez court, pas beaucoup de pages. Donc la lecture, elle s'est faite vraiment toute seule. L'intrigue, l'univers du livre, de manière générale, m'a vraiment rappelé Agatha Christie. Et je l'ai constaté à un moment donné, j'avais lu un quart, un truc comme ça. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait mis ici sur l'auteur. Et là, j'ai compris parce que il est indiqué donc que cette personne est la pionnière du cozy mystery. Donc, il est noté que dès le milieu des années 1930, elle est la grande rivale d'Agatha Christie et la première romancière à voir l'un de ses titres tiré à plus de 1 million d'exemplaires. Donc quand j'ai vu ça, je me suis fait « Ok, c'est logique alors, vu que elle était considérée comme sa rivale. C'est logique que le style soit assez similaire. » Mais voilà, j'ai bien aimé parce que moi, les Agatha Christie, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je me relance dedans parce que j'avais pris un petit rythme d'en lire régulièrement. Là, ça fait un moment donné que je ne l'ai plus fait et il y en a pas mal qui m'attendent. Donc, je vais sans doute essayer de relancer ça, d'un petit peu me relancer dans mes lectures Agatha Christie. Mais donc, ici, chouette découverte du coup parce que ça se rapproche de cet univers. D'ailleurs, je trouve que l'inspecteur Roderick a un petit côté à sa façon Hercule Poirot qui n'est pas désagréable. En tout cas, moi, j'aime bien le personnage d'Hercule Poirot, donc ça passe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus de cette histoire de meurtre dans la murder party, il y a aussi une intrigue au niveau d'une sombre affaire. Je vais pas trop vous en dévoiler. Enfin, je veux pas que vous ayez des indications ou que vous soyez un peu spoilé à ce niveau-là, mais sachez qu'il y a deux éléments. Donc, dans ce livre, il y a vraiment l'enquête autour de la murder party, à savoir qui a tué le personnage de Charles Rankin. Et il y a aussi une autre affaire, une autre histoire un petit peu mystérieuse qui est
qui est un peu indépendante de ce meurtre. Enfin, indépendante, oui et non. Bref, vous verrez bien si vous avez envie de le lire. Mais voilà, il y a deux enquêtes dans cette affaire. Donc, c'est assez agréable. C'est un petit truc en plus. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est fluide. La plume est vraiment très agréable. Et je n'ai eu aucun soupçon au niveau du coupable de la personne qui a tué Charles Rankin. Ça a été une surprise, en fait, jusqu'à la fin. Donc un dénouement final vraiment très très intéressant. Du coup, bah voilà, étant donné que j'ai commandé le tome 2, il est évident que je vais poursuivre avec grand plaisir cette série. Alors, je vais vous parler à présent d'une BD, une bande dessinée que je viens de lire. C'est celle-ci, c'est Ladies with Guns, c'est de Anne-Laure et Olivier Bocquet. On est aux éditions d'Argo. C'est un premier tome. C'était ma lecture en cours de la semaine passée, me semble-t-il. Hein, je vous avais dit que quand je l'avais vu, il m'intéressait vraiment beaucoup et j'avais longuement hésité étant donné que je voyais que c'était un premier tome. Donc, est-ce que j'avais envie de encore commencer une série alors qu'il y en a plein qui sont déjà commencés et du coup, il faut assurer un suivi. C'est pas grave, hein, pas grave du tout. Mais du coup voilà, est-ce que j'avais envie d'encore rajouter une série à toutes mes séries ou pas? Et finalement ben je me suis lancée et j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Donc ça tourne autour de 5 femmes. Nous sommes dans l'Ouest, c'est un monde vraiment d'hommes, profondément d'hommes, et on va suivre 5 femmes que le destin va réunir, que le hasard va réunir, que la vie va réunir. Et ces 5 femmes, elles sont très différentes et elles vont en fait s'unir pour justement s'entraider et arriver à survivre, étant donné que le monde là, il est vraiment très dur pour les femmes. Elles ont eu chacune leur lot de difficultés, de misère, de cruauté, de violence. Et donc voilà, elles vont se trouver réunies ensemble à un moment donné et elles vont tout faire pour s'entraider et pour survivre à ce niveau-là. Je m'arrête là pour l'histoire parce que franchement, je peux pas vous en dire un peu plus à ce niveau-là. Dans ce premier tome, c'est vraiment ça qui se passe, c'est les destins, les histoires différentes de ces femmes qui nous est un petit peu dévoilé. C'est leur rencontre qui se fait comme ça, plic-ploc, de manière fluide et tout ça. Donc on passe par ce genre d'informations et je suppose que dans le tome 2, bah, ça avancera un petit peu plus. Donc franchement, c'est des belles planches. Je vous montre. Oups. Par exemple, la première, c'est ceci. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très expressif. Franchement, c'est bien fait, c'est un joli dessin. Juste une petite information quand même, c'est qu'il y a pas mal de violence dans cette BD. Donc voilà, il y a du sang, il y a des armes, il y a tout type de violence. Donc c'est pas une BD à mettre dans les mains d'un jeune public, à mon sens. Vu que c'est un monde quand même dur et il est parfaitement exprimé dans cette BD, notamment par le dessin. Du coup voilà, il faut faire attention à ce niveau-là, mais bon, pour un public adulte, ça ira tout à fait, hein. Et voilà, j'ai vraiment apprécié cette première lecture. Du coup, j'attendrai la sortie du second tome pour pouvoir continuer. On va rester dans les BD, en tout cas dans les graphiques, avec celui-ci qui est une belle brique. Il est vraiment très très épais, très très gros, mais il est tellement beau, regardez ça. Fantastique, il est splendide. Ça faisait un moment qu'il traînait dans ma palle, pas parce que j'avais pas envie de le lire, mais voilà, parce qu'il m'intriguait, mais d'un autre côté, ma palle, elle est tellement grande que voilà, il y a trop de choix à un moment donné. Mais je me suis décidée à le découvrir. C'est L'Or Olympus. Donc c'est écrit par Rachel Smythe et on est aux éditions Hugo BD. Dans cette histoire, nous sommes dans une réécriture d'une histoire mythologique qui est celle de Perséphone et Hadès, donc que nous connaissons habituellement. Donc Perséphone, c'est la déesse du printemps. Et en fait, elle a été élevée par sa mère, vraiment en retrait du monde des dieux, en retrait du monde Olympe. Elle a eu peu de contact avec les divinités. Et en fait, elle a été élevée dans le royaume des mortels parce que sa mère voulait vraiment la protéger le plus possible du monde des dieux. Et à un moment donné, elle va souhaiter partir étudier à l'université et avec l'accord de sa mère, elle va découvrir le monde haut en couleur des dieux.
Elle va pas être toute seule, hein, parce que il pèse lourd. Je vais essayer de le poser. Voilà, quand même. Elle va être accompagnée par son amie qui est Artemis, donc Artemis, une déesse évidemment, et elles vont être invitées à une fête, donc elles vont y aller, et là, elle va, Perséphone, hein, va découvrir le monde, un monde complètement nouveau, complètement étranger pour elle, et elle va y faire une rencontre qui va chambouler toute sa vie, parce qu'elle va y rencontrer Hadès, évidemment, le dieu des enfers. Donc ça tourne autour de cette histoire mythologique en fait qui est replacée dans notre contexte actuel en fait. C'est une histoire comme si ça se passait à notre époque, mais en fait ça concerne des divinités mythologiques. Donc le concept est vraiment super intéressant, super original à ce niveau-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce graphique. Moi j'adore de manière générale tout ce qui a un rapport avec la mythologie, avec l'histoire, tout ce qui est antiquité. Enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai étudié ces matières, donc voilà, ça me parle vraiment très très fort. Et ici, cette réécriture du mythe de Perséphone et Hadès de nos jours, c'est vraiment très réussi, c'est vraiment très original comme idée également. Donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est un premier volume et du coup j'ai hâte que le second volume puisse sortir pour continuer cette histoire. Le livre est super beau, hein, comme je vous l'avais dit, et l'intérieur c'est aussi très joli. On est sur des dessins comme ceci. Donc au niveau des cases, c'est pas la mise en page classique, hein, des BD, des graphiques habituellement. On voit ici la différence avec celui dont je vous ai parlé juste à l'instant. Normalement, voilà, c'est des cases qui sont rectangulaires et qui prennent, on va dire, tout l'espace. Ici, on se retrouve avec parfois seulement deux cases pour une page. On a ce genre aussi avec un plan qui fait tout un dessin et pas mal de blancs qui sont repris un peu à gauche, à droite sur les pages. Donc voilà, c'est une dynamique qui est différente, mais j'ai vraiment bien aimé. Au niveau des tons, des coloris, on voit clairement que c'est le bleu et le rose qui prédominent, avec des nuances évidemment à chaque fois. Le rose qui caractérise Perséphone, le bleu qui caractérise Hadès, et on est vraiment dans ces deux coloris quasiment tout le long du livre. Il y a aussi des thématiques importantes qui sont abordées. Je ne vais pas trop vous dire quelles thématiques exactement, parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir aussi dans la lecture. Mais voilà, ce sont des thématiques qui sont importantes, qui sont réelles actuellement également. Donc ici, on sent clairement que Perséphone, elle va devoir trouver sa place dans ce nouvel univers. Elle va devoir également faire attention aux dangers qui la guettent, parce que elle vient, c'est un peu une jeune fille toute innocente, étant donné qu'elle avait vraiment vécu toujours en retrait, et le fait d'être lancée dans cet autre univers où il y a des tentations, il y a des intentions malveillantes, voilà, c'est vraiment un autre univers. Elle doit vraiment faire attention, et elle se trouve plus en fait dans le confort et la protection que sa mère avait mis en place pour elle. Elle se trouve vraiment dans un univers différent où elle doit apprendre les codes aussi, où elle doit être prudente. Elle va aussi avoir sa vie chamboulée, étant donné qu'elle va rencontrer Hadès. Donc je vous spoil pas le truc évidemment, vu que à ce niveau-là, bah oui, Hadès et Perséphone, c'est mythologique, donc il va y avoir une histoire d'amour. Il y aura des émotions nouvelles qui vont venir à elle. Donc voilà, tout ça va complètement la chambouler, et elle va devoir un petit peu trouver sa place, un petit peu s'habituer à tout ça. Et c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment une superbe découverte. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Franchement, je vous conseille, si vous n'avez pas encore passé le cap, faites-le. C'est vraiment un superbe livre. Après oui, peut-être que c'est un coup, hein, mais franchement, il en vaut la peine. Dernière chose, c'est celui-ci. Donc, c'était ma lecture en cours de la semaine passée, hein. C'est De sang, d'écume et de glace. C'est le tome 1, La métamorphose, de Alexiane Delis. On est aux éditions Michel Lafon. J'étais en train de le lire la semaine passée. J'avais envie, parce que ça se prêtait bien au niveau
Du temps, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement gris, mais la semaine passée il y avait du soleil et tout, donc j'avais envie de me lancer dans ce genre de lecture qui faisait penser un petit peu aux vacances. Et j'ai terminé, donc j'ai bien aimé cette lecture. On suit, je crois que je vous en avais un petit peu parlé, hein, mais on va suivre Perséphone, ça alors, je vous en parlais juste avant. Pas la même, rien à voir avec la mythologie. Mais ici, on suit Perséphone, Penny, qui est une jeune fille qui a des difficultés parce que voilà, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes de peau, elle vit des moments difficiles parce qu'elle est vraiment pas jolie. Elle a des soucis vraiment à ce niveau-là et elle subit beaucoup de méchanceté par rapport à son école, donc à ses camarades d'école, ça fait un peu bête ce que je dis, mais voilà, par rapport aux autres étudiants de sa classe, de son école, voilà, elle subit pas mal de méchanceté, du coup, donc c'est pas facile pour elle. Et du fait de ses problèmes de santé, bah, elle aura pas une espérance de vie très très longue, donc elle est un petit peu résignée sur son sort. Et pendant les vacances, son père va l'envoyer dans le Finistère chez une tante qu'elle a plus vue depuis des années, et il lui laisse pas le choix, il lui dit qu'elle s'en va, qu'il l'envoie en vacances et qu'elle va un petit peu profiter. Et elle va découvrir l'océan. Elle va découvrir aussi une attraction par rapport à l'océan. Et quand elle va se diriger vers la mer, bah il va se passer quelque chose. Je vais pas vous en dévoiler plus à ce niveau-là, mais j'ai vraiment bien apprécié cette histoire. Il y aura des créatures mythologiques, il y aura des objets magiques, il y aura des transformations, il y aura des métamorphoses, ah, ça je peux vous le dire, c'est noté ici. Donc la vie de Perséphone va complètement changer à ce niveau-là. J'ai trouvé ça très intéressant. Elle va en apprendre pas mal sur ses parents, sur ses origines. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre. Il y a juste une chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'à un moment donné, il y aura une petite histoire d'amour qui va se profiler. Et franchement, je l'ai trouvé un peu cucu et pas tout à fait logique pour le coup, vu la façon dont c'est amené, vu la façon dont ça se passe. Je trouvais ça un peu bizarre de qu'elle puisse développer des émotions, des sentiments pour une certaine personne. Mais voilà, à part ça. J'ai bien aimé cette lecture, vraiment. Le tome 2, il doit être... voilà, il est ici. Il m'attend parce que je m'étais dit que je pouvais craquer sur le tome 2 si je lisais le tome 1, ce qui est chose faite. Donc, je vais pas trop tarder pour lire le second tome parce que vraiment, il se passe des choses intéressantes. J'ai vu que c'était une trilogie. Ah, c'est noté ici, trilogie pour cette saga. Je me dis que je vais pas traîner pour lire le second tome, mais je veux pas trop non plus speeder, étant donné que le second tome est sorti, je pense, si je dis pas de bêtises, cette année-ci. Ça veut dire que le troisième, ben, il sortira pas du coup, à mon avis, avant l'année prochaine. Donc si je lis les choses trop vite, peut-être que j'aurai plus bien en fait les éléments en mémoire quand le tome 3 sortira, mais d'un autre côté, je peux pas trop traîner non plus pour avoir encore bien tous les éléments du premier tome en tête. Bref, des problèmes de lecteur hein, que vous connaissez sûrement également, ce qui n'est pas bien grave en soi. Après, j'ai de manière générale une très bonne mémoire au niveau de mes lectures, donc ça c'est une chance. Donc voilà, je vais continuer avec le tome 2, sans doute peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain ou peut-être en septembre, un truc comme ça. Je verrai bien aussi selon mon humeur, mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé de manière générale. Il y a vraiment des choses intéressantes. J'ai bien aimé la plume aussi de l'autrice. J'ai vu que c'est elle qui a écrit aussi Les Ailes d'Émeraude, qui est une trilogie qui m'attend dans un de mes chariots. Que j'avais vraiment envie de commencer, qui me tente vraiment beaucoup. Donc elle a aussi écrit Le Secret de Lomé, que j'ai aussi entendu pas mal d'avis. Après, c'est des avis parfois assez mitigés pour Le Secret de Lomé.
Après, chacun se fait son propre avis. Donc, si j'ai envie à un moment donné de lire les livres Le Secret de Lomé, je le ferai. Hein. Même si tous les avis sont négatifs, moi, s'ils me tentent, je le lirai. Après, on verra bien. Mais donc, pour celui-ci, voilà, une agréable lecture. C'est un beau pavé aussi. Il fait 470 pages, mais ça se lit bien. C'est fluide. Les chapitres sont pas très longs. C'est agréable au niveau de la lecture, les pages se tournent assez régulièrement. Franchement, il se passe des choses, on en apprend pas mal de choses. Enfin, il y a des éléments qui rythment la lecture, donc voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, nous y sommes pour ma lecture de cette semaine. Je me suis attaquée à d'autres lectures, évidemment, qui sont mes lectures en cours, donc je vous en parle. Il y en a beaucoup moins, rassurez-vous. On a celui-ci qui est Le Cercle de Bernard Minier aux éditions Pocket. Je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps, je crois que ça fait un jour ou deux et j'ai pas beaucoup avancé dessus. Il est énorme. C'est un poche qui fait 800 pages. C'est toujours avec le personnage, l'inspecteur de... j'ai oublié son prénom. C'est le commandant Servaz. Comment il s'appelle, son prénom? Oui, évidemment, dans le livre, ils disent commandant Servaz, Servaz-ci, Servaz-là. Ah, sa perlipopette. Martin? Je crois que c'était ça. J'ai vu Martin. Oui, Martin Servaz, le commandant Martin Servaz. Donc, j'avais pu découvrir Bernard Minier avec le premier livre qui était Glacé, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais lu en hiver l'année passée. Et j'avais vraiment accroché à cette lecture, à ce style, au style de Bernard Minier que j'avais beaucoup beaucoup apprécié. Du coup, j'ai eu envie d'un petit peu recommencer ces lectures, étant donné que j'avais pu continuer aussi avec Nicolas Beuglet, hein, que j'avais beaucoup aimé aussi. J'avais lu Le Cri également l'hiver dernier. Et récemment, j'ai continué avec Complot et avec L'Île du Diable, parce que c'était également des histoires qui reprenaient le même personnage principal. Donc, dans ce cas-là, c'était l'inspecteur Sarah Gurignon. Et donc, je pense que j'ai clôturé les histoires avec ce personnage de Sarah Gurignon. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose. J'allais poursuivre, en fait, avec les histoires, les enquêtes de Bernard Minier qui reprennent le personnage du commandant Servaz. Et je me suis lancée dans le second tome qui est Le Cercle. Et j'ai également acheté en même temps N'éteins pas la lumière, étant donné que ce sera la suite, c'est celui qui vient juste après Le Cercle, pour pouvoir justement continuer. Il est vraiment épais, hein, il est vraiment très gros et j'ai pas beaucoup lu. Je suis à la page 97, ce qui est pas grand chose évidemment quand un livre fait près de 800 pages, mais c'est pas grave parce que les briques ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Du coup, que vous dire sur celui-ci? Ben, on se retrouve évidemment avec un meurtre. Ça commence très vite, hein. On est dans une petite ville qui s'appelle Marsac. C'est une ville universitaire et ça démarre fort parce qu'on va découvrir le corps d'une femme qui était également un professeur de cette université, qui a été tuée d'une façon... allez, il y a une mise en scène assez étrange. Et en plus, la fille du commandant Servaz fait ses études également dans cette université. Évidemment, dans le premier tome, il y avait une histoire avec un tueur très très dangereux. Un tueur en série qui avait donné du fil à retordre au commandant Servaz dans le premier tome. Pour pas trop vous en dévoiler, hein, si vous souhaitez commencer avec la lecture de Glacé, faites-le, mais je veux pas tout vous dévoiler. Et apparemment, enfin à mon avis, je le sens bien, ce personnage aura de nouveau une influence, un impact dans ce second tome, évidemment. Donc voilà, j'en suis là. On a retrouvé cette femme, Servaz, il sent qu'il y a un truc qui pue, quoi, par rapport à ce serial killer qui s'est échappé et avec qui il a déjà eu une confrontation. Et voilà, je vais en apprendre un petit peu plus, évidemment, en continuant la lecture, mais j'aime vraiment bien. C'est une chouette enquête policière. Enfin, c'est une chouette enquête policière. Il y a des meurtres et tout ça, donc c'est pas chouette, mais je veux dire, c'est bien écrit, c'est fluide, on est happé dedans, c'est vraiment très très agréable, donc je vais continuer pour le coup.
J'ai également commencé Bord de terre. C'est un livre qui me faisait vraiment très très envie. La couverture, elle est splendide, quoi. Vraiment magnifique. C'est écrit par Julia Thévenot et on est aux éditions Sarbacane ici. C'est également un beau livre qui fait 500 pages, 500 quelque chose, me semble-t-il. Oui, 520 pages. Je viens de commencer, j'ai lu également une centaine de pages de celui-ci, je suis à la page 98, donc presque à la page 100, et j'aime bien. Donc on a deux personnages, on a Inès qui a 12 ans, et on a son grand frère qui s'appelle Tristan qui a 16 ans, et en fait ce grand frère est autiste, mais tous les deux ont vraiment une relation très complice, et un jour... on ne sait pas trop comment encore, vu que je suis au début, ils vont basculer dans un univers parallèle. Un univers parallèle où apparemment, j'ai déjà constaté que le chant, donc le fait de chanter, représente un certain pouvoir. Je ne sais pas encore trop de quelle façon ni comment ça fonctionne, parce que là, j'ai vraiment le début de l'histoire où on en apprend un petit peu sur ce frère et cette sœur, et on voit qu'ils vont basculer dans un autre univers où il y a des notions qui sont différentes, et je suis vraiment à la découverte de ce nouvel univers. Mais donc voilà, je vais continuer en tout cas la lecture. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Ça se lit bien. L'histoire, elle m'intrigue. Ça a l'air super intéressant. Et du coup, j'ai hâte de continuer. J'essaierai de le finir pour la vidéo prochaine, évidemment. C'est tout à fait faisable, hein, parce que de manière générale, je lis vraiment assez vite. Enfin, je pense. En tout cas, tout le monde me le dit dans ma famille, dans mes connaissances, amis, proches et tout ça. Je pense que j'ai un rythme de lecture qui est assez rapide. Du coup, en plus, comme j'aime bien cette histoire, ça me tente, il y a une intrigue, c'est mystérieux, c'est un univers assez particulier. Ben, du coup, ça pousse encore plus à la lecture. Et le troisième livre que j'ai commencé, mais là, je suis vraiment pas loin, c'est celui-ci. De nouveau, je suis tombée dessus par hasard. Je l'ai vu passer nulle part. Je l'ai jamais vu. C'est Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Je trouvais que la couverture, elle était trop jolie comme ça. Allez, elle est assez simple. Enfin, assez simple. C'est juste un fond noir avec, en doré, en dorure. On a des petites roses, on a le château, on a Belle. Et en fait, c'est une réécriture de l'histoire de La Belle et la Bête. Dont je viens de commencer. Donc on est ici dans une réécriture de conte. Moi, ça, j'aime bien en général ce genre de livre, et je trouve ça intéressant. En général, c'est assez bien fait, et ici, bah, j'ai lu le premier chapitre, donc vraiment pas beaucoup. C'est un petit livre, il est assez fin, il fait 250 pages, quelque chose comme ça, et voilà, on va suivre du coup Belle, de La Belle et la Bête, et ce sera sans doute une autre histoire, vu que réécriture de conte, et je suis curieuse de découvrir celui-ci. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que ça, pour le coup, sûr et certain, il sera fini. Voilà, nous y sommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné des envies de lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, de me laisser aussi des commentaires si vous avez envie d'échanger un petit peu sur les lectures que je vous ai présentées, ou dites-moi également les lectures que vous faites ou que vous avez pu faire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.